Ma campagne en Belgique s'est achevée brutalement à Waterloo. J'ai passé 4 jours sur ces terres qui m'ont donné tant d'espoir. Aujourd'hui encore, il reste tant de traces de mon passage. Sur la route qui relie Estrues à Beaumont, je me souviens être monté au sommet de la tour Salamandre pour observer mes troupes. Aujourd'hui, l'endroit qui surplombe la vallée est devenu un musée. J'ai aussi laissé quelques mystères dans cette région. La ferme de la Chiquette, par exemple. Un paradis pour les chercheurs d'or. On raconte que mes hommes ont, en ces murs, caché le trésor impérial. Personne ici n'a encore percé le secret. Nous sommes non loin de Thuin, une petite ville où des combats ont eu lieu. Sans moi, je devais me rendre au plus vite à Charleroi. La route que j'emprunte vient de Ham-sur-Eure et un seul pont enjambe la Sambre pour me permettre d'entrer dans la ville. J'ai dormi dans un endroit dont le nom m'inspire, Château Puissant. C'est d'ailleurs le lendemain que j'inflige à mes ennemis prussiens une très lourde défaite. Nous sommes venus ici à Ligny pour marquer notre volonté de faire plier ceux qui se mettront sur notre route. La nuit du 16 juin, après cette victoire que j'aurais souhaitée écrasante, j'établis mon campement au Château de la Paix. Le nom me fait sourire, car il n'est pas vraiment de circonstance. Le 17 juin, avant de prendre le chemin de Bruxelles, j'ai chargé Grouchy de pourchasser Blücher et ses hommes. Je me suis donc enfin rendu à Waterloo le 18 juin, avec la terrible issue que l'on sait. La mémoire de ces jours de guerre est bien présente au musée Wellington. L'un des plus visités d'Europe, ces satanés anglais attirent toujours autant la foule. Dans ce bâtiment, Wellington a fait basculer l'histoire de l'Europe. C'est ici qu'il rédigea ses ordres de bataille. C'est aussi ici qu'il écrivit la dépêche signifiant sa victoire. Triste souvenir pour l'empereur. Triste comme le souvenir de ma chambre située à la ferme du Caillou, mon dernier QG, et ma dernière nuit en ces contrées. Waterloo, cette morne plaine où je perdis ici tout espoir de faire plier mes ennemis anglais, russes, prussiens et autrichiens. La débandade finale fut une honte pour moi. Sans une retraite précipitée, l'armée prussienne m'aurait capturé. Ce maudit Grouchy qui traînait je ne sais où et ce Blücher que je pensais perdu dans les campagnes voisines ont eu raison de mes ambitions. Aujourd'hui, une butte sur laquelle se dresse un fier lion est la marque la plus visible des événements qui ont eu lieu. Ce lion, forgé à Seraing, trône à 41 mètres de haut. Gravir cette butte escarpée est un exploit en soi. Et de là-haut, désormais, 2 siècles d'histoire sont marqués à jamais dans cette ère de légende.